Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Mais écoutez, on attaque l'année 2021 en douceur. J'espère que de votre côté tout s'est bien passé, que vous avez bien mangé, que vous avez bien rigolé, que voilà, vous avez pris de bonnes résolutions. Moi, tous les ans, c'est les mêmes résolutions que je prends parce que bah, je m'y tiens jamais. Donc peut-être que je devrais en fait changer de résolution finalement. Enfin bref, aujourd'hui je vous viens avec un fait divers un peu particulier. À plusieurs reprises, il a été évoqué sous certaines de mes vidéos, mais comme il était en préparation, bah du coup je voulais pas trop m'étaler dessus. Et en fait, cette affaire, elle est vraiment passionnante à bien des égards. Déjà, la durée de l'instruction, je crois qu'il y a une vingtaine d'années, il y a plus de 20 ans qui séparent la date du crime aux conclusions finales de la France. L'affaire n'a pas été jugée dans le pays où ça s'est déroulé, à savoir l'Irlande, ce qui veut dire en fait que, ben, quelque part, enfin, le mystère, il est encore là, en fait, il est encore ouvert. Moi, je vous avoue que pour cette histoire, je me suis beaucoup sourcée via les coupures de presse irlandaises et britanniques, puisque je trouvais que c'était celle qui regorgeait le plus de détails et d'informations capitales que j'ai pas pu retrouver dans certains documentaires français que j'ai regardés. Après, bon, comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, il est vrai qu'une affaire, elle va être traitée très différemment en fonction du pays qui la filmera. Donc dans certains pays, on va dire oui, mais c'est telle personne qui l'a fait. Dans d'autres, on dira ah ouais, mais peut-être pas, parce qu'il y avait quand même ça. Donc des fois, ça manque un petit peu d'objectivité, mais voilà, on n'est que des êtres humains. Donc après, peut-être qu'on connaît aussi pas tous les éléments, donc notre opinion se forge à partir des informations qu'on nous communique. Donc bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de mon opinion sur la question, je préfère vous le laisser pour la fin. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici. Je vais vous laisser vous poser tranquillement et puis bah, je vous dis à tout de suite. Saura-t-on un jour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier? Le mystère reste entier depuis déjà 21 ans. Aujourd'hui, la justice française a étudié l'appel de l'unique suspect. C'est un journaliste britannique qui ne veut pas être renvoyé devant une cour d'assises en France. Le fils de la victime espère enfin obtenir réparation, obtenir justice. Il n'avait que 15 ans quand sa mère est morte. C'est notre grand témoin ce soir. Il est signé Diane Schlinger, Alexis Fischer, Jean-Jacques Buty. Ma mère a été assassinée, j'avais 15 ans. J'étais collégien. On lui a défoncé le crâne en Irlande la veille de Noël. Ma mère, c'était un peu tout pour moi, hein. Mon tout, mon doudou, mon refuge, mon amour, quoi. Ce drame bouleverse toute une vie, bouleverse toute une famille. Moi, j'ai besoin de cette vérité pour vivre sereinement. J'ai besoin de pouvoir raconter à mes enfants qu'est-ce qui s'est passé. On est le 20 décembre 1996 à Tourmore, un petit coin de terre isolé au fin fond de la lande irlandaise. Il est 14 h quand Sophie Toscan du Plantier, une ressortissante française de 39 ans, arrive de France par l'aéroport. Elle a décidé de passer quelques jours dans sa résidence secondaire de Tourmore afin de finir un projet d'émission pour la télévision. Sophie partage la vie du célèbre producteur de cinéma français Daniel Toscan du Plantier depuis 1988. Et elle est maman d'un adolescent de 15 ans, Pierre-Louis Baudet-Vignaud, qu'elle a eu d'une précédente union et avec lequel elle entretient une relation très fusionnelle. Mais Sophie entretient également une relation fusionnelle avec l'Irlande depuis qu'elle y a été fille au père quand elle était plus jeune. Et quand son mari Daniel lui offre cette résidence secondaire à Tourmore en 1993, bah c'est pour elle l'occasion de s'y rendre aussi souvent qu'elle le souhaite, accompagnée ou seule la plupart du temps, puisque ça lui permet de se ressourcer, d'y trouver l'inspiration pour ses projets professionnels. D'ailleurs, la maison est très isolée, il y a une seule maison à côté de la sienne qui est habitée par un couple. Et c'est vrai que ces paysages assez sauvages, je trouve que c'est assez inspirant. Ça me fait beaucoup penser au livre Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, pour ceux qui connaissent, hein, vous savez, cette lande, le vent, la falaise. C'est très joli et mystérieux, je trouve. Le lendemain de son arrivée, soit le 21 décembre, Sophie se rend à Skull, un petit village qui se situe à 5 km de sa résidence, afin d'y faire un peu de shopping, quelques courses, et elle va entre autres acheter une bouteille de champagne et des accompagnements. Le jour suivant, soit le 22 décembre, Sophie est aperçue par des habitants en train de se promener près d'un château en ruine, pas très loin de chez elle. Puis elle se rend en fin de journée à Skull dans un pub, elle y consomme un thé, elle rentre chez elle et vers 23 h, elle appelle son mari Daniel, qui donc lui est en France, afin de lui confirmer qu'elle rentrera le rejoindre le 24 décembre, donc 2 jours plus tard. Il est convenu qu'elle le rejoigne dans le Gers et qu'ensuite tous les deux s'envolent pour l'Afrique afin d'y passer les fêtes de fin d'année.
Le lendemain, soit le 23 décembre, à 10h du matin, Shirley Foster, l'unique voisine de Sophie Toscan Duplantier, passe par un petit sentier pour rejoindre sa maison à elle. Et en fait, en passant devant sa maison, elle passe devant la grille d'entrée de Sophie. Et là, au sol, elle aperçoit une forme. Elle va vérifier de quoi il s'agit. Et là, elle découvre le corps sans vie et recouvert de sang de Sophie. Complètement paniquée, elle prévient aussitôt son époux. Ils appellent les autorités et deux agents de police arrivent sur place au bout d'une demi-heure, suivis quelques heures après des journalistes locaux. D'après les premières constatations des deux agents qui sont rendus sur place, Sophie porte un ensemble blanc d'intérieur. Elle est chaussée de mocassins. Elle a le visage à moitié écrasé par une pierre qui est retrouvée à proximité de son corps. L'arrière de son crâne a été défoncé à l'aide d'un objet contondant. Elle a été littéralement massacrée, elle est défigurée, à tel point que les deux agents font appel à la femme de ménage de Sophie qui est arrivée entre-temps pour qu'elle reconnaisse formellement le corps de sa patronne. Et la femme de ménage, elle va être tellement bouleversée qu'elle va demander à son époux qui se trouve sur place avec elle d'aller reconnaître le corps. Entre-temps, d'autres agents de police se sont rendus sur place, donc ils commencent à fouiller les alentours de la maison, voir s'ils ne peuvent pas mettre la main sur l'arme qui a servi à défoncer le crâne de Sophie, voir s'ils ne peuvent pas trouver des indices. Et ils seront d'ailleurs lourdement critiqués par la suite pour ne pas avoir préservé la scène de crime. Le médecin légiste, qui est le seul de la région, est prévenu, mais à ce moment-là, il se trouve à Dublin. Donc on lui demande de rentrer en urgence, mais c'est qu'au bout de 36 heures qu'il va se rendre sur la scène de crime, alors que le corps est resté au même endroit recouvert par une bâche bleue pendant tout ce laps de temps. Le corps de la jeune femme est finalement transporté à l'hôpital afin qu'elle puisse y subir une autopsie. Et là, le médecin met en avant plusieurs points. Le premier, c'est que Sophie n'a pas été agressée sexuellement et qu'aucun ADN masculin n'a été retrouvé au niveau de ses parties génitales. Le second, c'est qu'elle présente une quarantaine de blessures sur la totalité du corps, telles que des fractures, des éraflures, des griffures. Son crâne a été brisé à l'aide d'un objet contondant qui n'a jamais été retrouvé, mais on pense fortement qu'il s'agit du tisonnier qui se trouvait à l'intérieur de chez elle puisqu'il n'a jamais été retrouvé. La moitié de son visage a été écrasée alors qu'elle se trouvait allongée sur le dos au sol, et la pierre a été retrouvée pas très loin de son corps. Des fragments de peau et des cheveux ont été recueillis sous ses ongles. Ils ont été analysés, mais on ne parvient pas en fait à isoler de l'ADN puisqu'ils ont d'une part mal été recueillis, et d'autre part, comme le corps a séjourné plus de 36 heures au même endroit, sous la bâche bleue, avec des intermittences de pluie, ça a fortement détérioré les éléments ADN qui se trouvaient sur son corps. Et pour finir, il estime l'heure de la mort entre 2h et 3h du matin. En parallèle, les enquêteurs commencent leur travail d'investigation à l'intérieur de la maison, et là, ils découvrent qu'il n'y a aucune trace de lutte. Rien du tout, rien n'a été déplacé, rien n'a été cassé. Les traces de sang commencent à partir de la porte de la maison, côté extérieur, comme si elle avait été attaquée sur le palier de sa porte. De plus, ils découvrent dans la cuisine deux verres sur l'évier qui ont été nettoyés, ainsi qu'une bouteille de champagne intacte sur la table. Et dans la salle à manger, deux fauteuils mis côte à côte devant le radiateur. Ce qui peut signifier pour eux qu'elle connaissait son assassin, que c'était une personne qui se trouvait à l'intérieur de sa maison avec elle, peut-être un amant de passage, ou alors un homme qui l'aurait suivi depuis la France. Et dans la mesure où le mari de Sophie, Daniel, ne s'est pas déplacé à l'annonce de sa mort, en fait, ça alimente un peu les rumeurs. On se dit qu'ils étaient peut-être séparés, peut-être en instance de divorce, d'où le fait qu'il ne serait pas venu pour reconnaître le corps de son épouse. D'ailleurs, Léo Bulger, qui était l'homme à tout faire de Sophie, donc celui qui se rendait à son domicile quand elle avait besoin de réparer une fenêtre, de faire des travaux de jardinage, dira aux enquêteurs que d'après lui, ça peut être que quelqu'un qui l'aurait suivi depuis la France, parce qu'il la soupçonnait d'avoir des liaisons quand elle se rendait à Tourmort. Mais en fait, cette piste, elle est difficilement étayable ou retraçable, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 1996, on n'avait pas de téléphone portable. Du coup, on n'a pas la possibilité en fait de vérifier cette piste par le biais de SMS, par exemple. Et en ce qui concerne la téléphonie fixe, là encore, manque de chance, puisqu'en 1996, à Tourmort, il n'y avait pas de relevé téléphonique. Du coup, cette piste, elle est définitivement écartée, tandis que le corps de Sophie est rapatrié en France et qu'elle est enterrée en Lozère le 31 décembre. Au fil des semaines, les enquêteurs vont auditionner peut-être 100 personnes, des habitants de Skull, des amis à Sophie qui vivent dans la région. Et en fait, parmi tous ces témoignages, il y a un nom qui va être cité à plusieurs reprises, celui de Yann Bellet.
Ian Bellès, c'est un jardinier et un journaliste anglais de 40 ans qui vit depuis plusieurs années déjà à Skull avec sa compagne irlandaise Jules Thomas. Ils vivent pas très loin de chez Sophie. Et Ian, c'est également l'un des premiers journalistes à s'être rendu sur place le 23 décembre afin d'y prendre des notes pour un article sur le meurtre de Sophie. Shirley Foster, la voisine qui a découvert le corps, explique par exemple aux enquêteurs que Ian Bellès est donc le premier journaliste à être arrivé sur place et qu'il a parlé un peu avec elle, qui lui a dit qu'il était venu prendre des notes pour un meurtre qui avait eu lieu. Et en fait, ça intrigue un peu les enquêteurs parce qu'à ce moment-là, personne n'était au courant qu'il y avait eu un meurtre. Marie Farrell, une commerçante de Skull, passe un appel anonyme à la police et elle leur explique que la nuit du meurtre, elle se trouvait sur un pont qui se situe à 2 km de chez Sophie, qu'elle rentrait en voiture chez elle et qu'aux alentours de 3h du matin, elle a aperçu un homme à l'allure un peu bizarre qui marchait sur ce pont. Et elle ajoute que ce qui l'a un peu étonnée, c'est que cet homme, elle l'avait déjà vu la veille devant un magasin à Skull en train de surveiller Sophie qui faisait des emplettes dans une boutique. Elle leur dit que l'homme en question mesurait pas plus d'1m75, 1m77 à peu près, qu'il était blanc de peau, qu'il avait une longue veste noire et qu'il avait une allure très bizarre, qu'il semblait en fait se cacher le visage avec ses mains. Presque un mois plus tard, soit le 24 janvier 1997, la police parvient à identifier Marie Farrell puisqu'elle a appelé une seconde fois le commissariat en anonyme. Donc là, il la convoque, il lui dit « Écoutez, maintenant, il faut venir faire une déposition formelle, on sait qui vous êtes, donc venez au commissariat. » Là, elle va faire une nouvelle déposition, mais en fait, au fur et à mesure de son audition, il y a certains détails qui vont changer dans ce qu'elle raconte. À savoir que cette fois-ci, elle va identifier l'homme qu'elle a aperçu sur le pont comme étant Ian Bellès. Ce qui de prime abord semble plutôt contradictoire avec ses premières déclarations puisque Ian Bellès mesure plus d'1m90 et l'homme que Marie a décrit 1m75. Mais après bon là on peut se dire que la police a pensé que dans la mesure où elle l'a aperçu de nuit à 3h du matin, elle a peut-être mal évalué la taille de cet homme. Une dizaine de jours plus tard, soit le 4 février 1997, Amanda Reed, une habitante de Skull, contacte la police. Elle est complètement paniquée, elle est très en colère également. Elle leur dit que son fils Malachi, âgé de 14 ans, a croisé quelques jours auparavant Ian Bellès et que ce dernier lui aurait confié avoir tué Sophie Toscan-Duplantier en lui cognant la cervelle. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Bill Fuller, un ami proche de Ian Bellès, de se rendre au commissariat. Et là, il explique aux enquêteurs qu'il a eu une conversation avec Ian dernièrement et que pendant cette conversation, Ian, qui est alors complètement alcoolisé, aurait tenu des propos complètement délirants au sujet de la mort de Sophie. Il aurait par exemple dit à son ami Bill « Écoute, je sais que c'est toi qui l'as tuée, elle te plaisait, tu l'as croisée dans la rue, t'as voulu tenter ta chance, t'es monté la voir chez elle à Tourmort, elle a refusé tes avances et tu l'as assassinée. » Et Bill, il explique aux enquêteurs que ça l'a complètement chamboulé, que son ami l'accuse de ce meurtre, puisque dans la façon dont il l'aurait accusé, Bill avait l'impression en fait que Ian s'auto-accusait en accusant son ami. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, pour les enquêteurs, ça commence un peu à faire gros. Du coup, il décide de creuser la piste du journaliste anglais, et là, il découvre que Ian a écrit plusieurs articles sur la mort de Sophie, avec des détails que seuls les enquêteurs connaissaient, tels que le détail sur la bouteille de champagne qui se trouvait dans la cuisine, les deux verres, les fauteuils près du radiateur. Et il y a certaines rumeurs qui courent autour de cet homme. Des habitants de Skull disent par exemple que les nuits de pleine lune, il sort de chez lui et il se rend dans la lande pour hurler son nom comme un loup-garou. Certaines femmes disent même que parfois il les suit dans la rue et qu'il les menace un peu du regard, qu'il essaie de leur faire peur. Là, pour les enquêteurs, c'est un peu troublant, d'autant plus que Ian a été inquiété à plusieurs reprises pour des faits de violence conjugale à l'égard de sa compagne Jules Thomas, et qu'il est réputé comme étant quelqu'un qui s'alcoolise assez régulièrement et qui, pendant ces moments, peut devenir très violent. Dans le même temps, en France, Daniel Toscan-Duplantier se porte partie civile et dépose plainte en France pour l'assassinat de son épouse, le but étant que l'instruction soit menée en Irlande, mais également en France, en même temps afin que les deux polices puissent s'entraider. Le 10 février 1997, Ian Bellès est placé en garde à vue et interrogé par la police, tandis que sa compagne Jules Thomas est elle aussi entendue, mais séparément. Et là, tous les deux donnent le même alibi pour la nuit du 22 au 23 décembre. Ils expliquent qu'ils ont passé la soirée dans un pub à Skull, qu'ils sont ensuite rentrés chez eux aux alentours de minuit, et qu'à 1h30, ils se sont couchés.
Quand la police demande à Yann Bellet comment il a pu être au courant du meurtre de Sophie quand il s'est rendu sur place alors qu'à ce stade, personne n'était encore au courant. Bon, en fait, Yann leur explique que ce jour-là, peu avant 1h de l'après-midi, il a reçu un appel de son correspondant journaliste au Irish Examiner, Eddie Cassidy, qui lui aurait demandé de se rendre le plus rapidement possible à Tourmore afin de couvrir l'affaire et lui envoyer ses notes. La police contacte Eddie Cassidy et lui, en fait, il va leur dire « Bah oui, c'est vrai, je l'ai appelé peu avant 1h. Par contre, je lui ai pas du tout parlé de meurtre. Hein. D'ailleurs, c'est pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Va couvrir l'événement puisqu'il y a eu un accident très grave. » Les enquêteurs lui demandent également comment il était au courant de la bouteille de champagne et des deux verres qui se trouvaient dans la cuisine, sachant qu'il n'a pas pu rentrer à l'intérieur de la maison. Et là, Yann leur explique que quand il s'est rendu sur place, il a croisé Léo Bulger, donc l'homme à tout faire de Sophie, et il lui a demandé s'il pouvait le suivre à l'intérieur de la grille d'entrée de la maison de Sophie afin de l'aider à porter des morceaux de bois. Et il dit que lorsqu'il est passé à côté de la maison avec Léo, la fenêtre de la cuisine était grande ouverte, qu'il s'est penché, qu'il a regardé à l'intérieur et que du fait qu'il est très grand, il mesure plus d'1m90, il a pu apercevoir sur la table la bouteille de champagne et sur l'évier, les deux verres. Léo Bulger est interrogé par la police et il confirme les dires de Yann. Il dit oui, c'est vrai, on est passé à côté. Effectivement, je l'ai vu un peu jeter des coups d'œil à gauche et à droite, mais ça semble pas convaincre les enquêteurs. D'autant plus qu'il est avéré que Yann a fait des aveux à plusieurs personnes à Skull. À plusieurs reprises, il a dit aux gens « Oui, c'est moi qui l'ai tué ». Donc là, les enquêteurs lui disent « Bah, t'as avoué le meurtre ». Donc, tous ces petits éléments mis bout à bout. Et Yann leur explique que s'il a avoué à plusieurs reprises le meurtre, c'était par pure provocation. Il dit par exemple que quand il a pris en autostop le jeune Malaki, bah en fait, il aurait eu une discussion avec Malaki, peut-être que le gosse lui aurait dit « Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui l'as tué ?» Et en fait, Yann aurait dit par provocation « Oui, c'est moi qui l'ai tué, je lui ai cogné la cervelle. » Idem avec des habitants de Skull, il explique qu'en fait, il les provoquait en leur disant « Oui, c'est moi qui l'ai tué. » Jules Thomas s'est elle aussi interrogée plusieurs heures. Et au fur et à mesure, elle va sensiblement changer sa première version. Elle va expliquer cette fois-ci que quand ils sont rentrés du pub et qu'ils sont allés au lit à 1h30, elle a pris un analgésique parce qu'elle se sentait pas très bien et que du coup, bah, elle s'est endormie très rapidement. Et elle dit qu'elle est finalement pas très sûre que Yann se soit trouvé à ses côtés toute la nuit. Et elle ajoute même que le lendemain matin, quand Yann est rentré dans la chambre et qu'il lui a apporté son petit déjeuner, il présentait une coupure au niveau du front. Yann est confronté aux déclarations de sa compagne et là, en fait, il nie tout en bloc. Il leur dit « Écoutez, moi, vraiment, non, j'ai rien à voir là-dedans. Je comprends même pas, en fait, la raison pour laquelle vous me soupçonnez. Ce soir-là, effectivement, j'ai pas passé toute la nuit dans le lit avec Jules. En fait, à un moment donné, je suis descendue dans mon salon parce que je devais finir d'écrire un article et j'ai absolument rien à voir dans cette histoire. » Il lui parle de la blessure. Ils lui disent « Ok, mais ta compagne a quand même dit qu'elle t'avait vu avec une blessure sur le front. » Là, il va dire, bah, écoutez, je m'en souviens pas, en fait, ça remonte un peu. C'était il y a quasiment 2 mois, donc je suis pas vraiment. J'ai pas le souvenir d'avoir une blessure, mais si effectivement j'ai eu une blessure sur le front, bah, c'est très certainement quand j'ai tué une dinde, peut-être que je me suis mis un coup par inadvertance. Pour la police, tous ces éléments mis bout à bout, c'est assez accablant, d'autant plus que Yann vit à moins de 5 km de chez Sophie. Donc ils se disent que peut-être que pendant la nuit, il serait sorti de chez lui. Il serait monté à Tourmore, il aurait assassiné la jeune femme et ensuite il serait rentré chez lui avant que sa compagne ne se réveille et constate son absence. Le problème en fait, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves pour l'arrêter. Du coup, lui et sa compagne sont relâchés. À la station, j'ai été détenu, j'ai été interrogé, questionné, accusé et relâché. Je sais que je suis innocent, je n'ai rien à voir avec ce killing. Vous l'avez tué? Non. Dès le lendemain, le couple est interrogé par différents journalistes qui se sont déplacés des quatre coins de l'Irlande et qui veulent savoir s'ils ont quelque chose à voir dans le meurtre de Sophie. Et Jules leur explique que, en fait, pendant son audition, les enquêteurs lui ont mis un peu la pression en lui disant que Yann était impliqué dans le meurtre, en lui expliquant que de toute façon, ils avaient des preuves scientifiques et en lui montrant des photos du corps mutilé de la Française et que du coup, bah, elle a craqué. Et que progressivement, elle en est venue à dire qu'elle n'était pas sûre que Yann avait passé la nuit près d'elle, puisqu'elle-même s'était mise à douter finalement face aux arguments de la police. Le 14 février, Marie Farrell est une nouvelle fois convoquée au commissariat et interrogée.
afin de confirmer ses précédentes déclarations dans lesquelles elle disait avoir vu Yann Bellet sur ce pont la nuit du meurtre, et elle réitère ses premières déclarations. En avril 1997, les autorités françaises envoient une demande d'entraide judiciaire à l'Irlande, au commissariat de Cork, mais aucune suite ne lui est donnée sous prétexte que cela pourrait nuire à l'enquête en cours. Quelques mois plus tard, en juillet, Marie Farrell se rend au commissariat de Cork afin d'expliquer aux enquêteurs que Yann Bellet l'a menacé à plusieurs reprises à Skull. La première fois, il l'aurait approché dans un pub et lui aurait demandé d'une voix menaçante de retirer ses déclarations et d'admettre qu'elle ne l'avait pas aperçu sur ce pont la nuit du 22 au 23 décembre. Et la seconde fois, il l'aurait menacé au domicile de Jules, puisqu'en fait, Marie Farrell faisait garder sa fille par la fille de Jules. Jules avait trois filles d'une précédente union, dont une Finella qui faisait du babysitting pour les habitants de Skull, et Marie Farrell faisait appel donc à Finella. Et c'est en allant au domicile de Jules récupérer sa fille que Yann Bellet, vu qu'il vivait également là-bas, lui aurait dit « Écoute, maintenant c'est soit tu les retires, ces déclarations, soit il va t'arriver quelque chose de très grave. » Le 27 janvier 1998, Yann Bellet est de nouveau placé en garde à vue afin de subir un nouvel interrogatoire, et il en ressort libre et sans inculpation au bout de 12 heures. Le 10 février 1998, le ministre de la Justice irlandaise refuse une seconde fois à la France la possibilité de consulter le dossier d'instruction, au motif, encore une fois, que ça pourrait nuire à l'enquête en cours. En mars 1999, Guy Girard, un producteur français et ami de Sophie, contacte les autorités en Irlande, à Cork, et il leur explique que, peu de temps avant sa mort, Sophie lui aurait confié qu'elle avait un ami à Skull du nom de Yann Bellet, et que l'homme était poète, journaliste, et qu'il lui avait à plusieurs reprises montré un peu toutes ses créations artistiques, et qu'elle le trouvait assez obscur, assez violent dans les poèmes qu'il écrivait. Et là, pour les enquêteurs, c'est un peu bizarre, parce que Yann Bellet a toujours déclaré ne jamais avoir côtoyé Sophie. Il a admis l'avoir peut-être aperçu une fois ou deux à Skull, mais il assure ne jamais avoir parlé avec Sophie. Le 22 septembre 2000, Jules Thomas est placé en garde à vue, puis libéré quelques heures plus tard. Le 22 août 2001, Yann Bellet est arrêté à l'aéroport de Cork pour coups et blessures sur sa compagne Jules Thomas. Il écope d'une peine de 3 mois avec sursis. Le 19 décembre 2002, monsieur et madame Bougnol, les parents de Sophie, engagent une action au civil en France contre Yann Bellet pour le meurtre de leur fille. Le 11 février 2003, Daniel Toscan Duplantier décède à la suite d'un arrêt cardiaque à l'âge de 61 ans. Il s'était remarié en 1998 et avait eu deux enfants avec sa nouvelle compagne. En décembre 2003, Yann Bellet attaque en justice 8 journaux britanniques et anglais pour accusations mensongères et diffamation. Il gagne contre seulement 2 journaux, puisque le juge a considéré que, Yann Bellet, à plusieurs reprises, il a avoué avoir tué Sophie dans un but de provocation. Mais même si c'était fait dans un but de provocation ou de rigolade, les journalistes n'avaient fait que relayer ses dires, donc c'était pas de la diffamation. En mars 2004, Yann Bellet informe par courrier Marie Farrell qu'il compte intenter une action en justice contre elle pour diffamation si elle ne retire pas les précédentes déclarations qu'elle a faites aux médias, dans lesquelles elle disait l'avoir aperçue le soir du meurtre sur le pont à proximité de chez Sophie. Marie répond par le biais de son avocat qu'elle refuse de se rétracter, qu'elle ne cédera pas à ses menaces. Et elle va même accuser Yann Bellet de l'avoir menacé physiquement. Elle se rend dans un commissariat et elle fournit des dates. En fait, elle dit voilà, telle date il m'a menacé physiquement, telle autre date il m'a menacé physiquement. Le souci, c'est que les enquêteurs se rendent compte que les dates que Marie Farrell indique sont improbables, puisque Yann Bellet disposait à ces moments précis d'alibis solides. Il était par exemple chez le médecin ou chez son avocat, ce qui signifie que Marie Farrell a menti. Et là, coup de théâtre. En avril 2005, Marie Farrell contacte Franck Butimer, l'avocat de Yann Bellet, et lui explique qu'elle souhaite se rétracter sur ses précédentes déclarations. Elle dit en fait que lorsqu'elle a été interrogée par la police, il lui avait forcé la main pour qu'elle identifie Yann Bellet. En gros, la nuit du meurtre, Marie se trouvait dans un hôtel avec son amant. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, donc après avoir vu son amant, elle est passée par le pont et elle a aperçu cet homme. Et en fait, les enquêteurs, elle leur a dit la vérité. Elle leur a dit « Voilà ce qui s'est passé, j'étais avec un homme. » Elle n'a jamais voulu fournir l'identité de son amant. Et en fait, elle dit à l'avocat de Yann que les enquêteurs ont joué sur ça pour lui faire faire ses déclarations. Ils lui ont dit « Écoute, vaut mieux que tu dis que c'est Yann Bellet. De toute façon, nous, on est sûr et certain que c'est lui. Dis-le, sinon peut-être que ton mari saura que tu l'as trompé. »
Du coup, elle explique à Franck Buttimer qu'elle a craqué, qu'elle avait peur que son mari soit au courant et que elle souhaiterait qu'il la représente juridiquement afin qu'elle puisse se rétracter en bonne et due forme. Le problème, en fait, c'est que Franck Buttimer ne peut pas la représenter puisqu'il ne peut pas représenter les deux en même temps, donc il la redirige vers un confrère avocat. En février 2007, Yann Bellet entame un appel contre son procès perdu en décembre 2003 contre les 6 journaux. Et là, l'affaire, elle va être réglée à l'amiable, donc j'imagine qu'une somme d'argent lui a été reversée. Fort de cette victoire, le 1er mai 2007, Yann Bellet intente une action en justice contre le ministre de la Justice et le commissaire de Cork pour arrestation abusive, harcèlement, intimidation et violation de ses droits constitutionnels. En décembre 2007, la famille et les proches de Sophie Toscan-Duplantier créent l'association ASOF, dont le but, en fait, c'est de mettre en avant l'affaire de Sophie pour ne pas qu'elle soit oubliée et pour que la France ne lâche pas l'affaire et relance les investigations en Irlande. Et en juin 2008, le juge français chargé de l'instruction demande l'exhumation du corps de Sophie afin de procéder à une nouvelle autopsie. Malheureusement, les analyses ne donnent rien. Mais quelques mois plus tard, soit en décembre, le dossier d'instruction irlandais est enfin remis à la justice française. En juin 2009, le juge français en charge de l'instruction se rend en Irlande afin de rencontrer l'équipe d'enquêteurs à Cork et de faire un peu le point sur le dossier. Et le 19 octobre 2009, certains des enquêteurs en poste en 1996 sont convoqués en France par le juge d'instruction. Ils vont être interrogés sur les détails de l'enquête afin de voir si les éléments à charge contre Yann Bellet sont suffisants. Le 19 février 2010, le juge français chargé de l'instruction délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre de Yann Bellet pour le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier. Et le 23 avril, l'Irlande approuve la demande d'extradition et interpelle Yann à son domicile. Il est conduit au commissariat, mais il est libéré quelques heures plus tard. En décembre 2010, Yann Bellet, alors âgé de 53 ans, ressort diplômé en droit civil de l'université de Cork. Il s'est spécialisé en droit anglo-saxon et en droit français afin de pouvoir aider son avocat à sa défense. Le 18 mars 2011, la Haute Cour de Dublin autorise l'extradition vers la France de Yann Bellet, mais il n'est pas pour autant arrêté. Et en octobre 2011, le juge français chargé de l'instruction dépêche une équipe d'enquêteurs et de médecins à Cork. On se dit qu'avec l'avancée de la science, des nouvelles techniques, peut-être qu'on pourra en fait trouver de nouveaux éléments à exploiter dans la maison de Tourmort. Malheureusement, ça ne donne rien. Le 1er mars 2012, Yann Bellet fait appel devant la Cour suprême d'Irlande pour ne pas être extradé et la Cour se prononce en sa faveur. C'est pourquoi en septembre 2012, les parents de Sophie déposent une plainte contre l'Irlande auprès de la Cour européenne de justice pour non-respect du droit communautaire. Le 10 mai 2013, un juge irlandais de la Haute Cour de Dublin estime qu'il y a eu énormément de dysfonctionnements et de loupés dans l'enquête sur le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier et que cela empêcherait tout procès équitable. En gros, je pense que c'est comme pour Meredith Kercher. En fait, l'enquête, elle a été tellement mal faite entre le médecin légiste qui se pointe au bout de 36 heures, la scène de crime qui n'a pas été correctement préservé, là en fait il a estimé que de toute façon aucun procès équitable ne pourrait avoir lieu. En novembre 2014, Yann Bellet poursuit l'État irlandais pour arrestation illégale et mise en cause abusive et demande plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts, mais il est débouté en mars 2015. Et le 12 mai 2015, il est condamné à rembourser tous les frais engagés à la suite de son action en justice contre l'État et la somme est estimée à un peu plus de 2 millions d'euros. En septembre et octobre 2015, le juge français chargé de l'instruction et quelques enquêteurs se rendent de nouveau à Cork afin de mener de nouvelles investigations. Le problème, c'est qu'en arrivant sur place, ils se rendent compte que certains témoins clés sont décédés, puisque 20 ans a passé depuis le meurtre de Sophie. En décembre 2015, le juge français termine son instruction. Une quarantaine de témoins ont été auditionnés et je crois que le dossier comprend plus de 30 livrets. C'est énorme, mais vraiment énorme. En même temps, c'est le fruit de plusieurs années d'investigation et je pense que ça doit également regrouper en fait le dossier d'instruction irlandais. En janvier 2016, un nouveau juge français est nommé afin de reprendre l'instruction du dossier. Et le 27 juillet, elle émet une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises de Paris à l'encontre de Yann Bellet pour homicide volontaire. L'Irlande refuse une nouvelle fois son extradition. Le 27 mai 2019 s'ouvre le procès aux assises de Yann Bellet pour homicide sans sa présence. Et parmi tous les témoins irlandais convoqués par le juge, seuls deux ont fait le témoignage.
J'ai lu dans certaines coupures de presse en fait que les témoins ont expliqué qu'ils ont été pris au dépourvu parce qu'ils ont été prévenus que quelques jours à l'avance et qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'organiser aussi rapidement pour venir en France. Le reste de l'actualité, le début aujourd'hui du procès du meurtrier présumé de Sophie Toscan-Duplantier. L'audience se tiendra sans l'accusé, le Britannique Ian Bailey. Dublin a en effet refusé son extradition. La famille de la productrice, son fils notamment, espère toutefois enfin connaître la vérité. À titre personnel, j'attends que je puisse dire un jour à mes enfants ce qu'il s'est passé. C'est une épreuve de ne pas avoir de justice après 23 ans. C'est un peu comme si on avait perdu un membre, un bras, une jambe. Sauf que, en ce qui me concerne, depuis 23 ans, c'est comme si la cicatrice continuait de saigner. Pierre-Louis Baudet-Vignot, le fils de Sophie Toscan-Duplantier, avec Benjamin Boucriche pour RTL. Ce procès doit durer toute la semaine. Verdict attendu vendredi. Le 31 mai 2019, Ian Bailey est condamné à contumace à 25 années de réclusion criminelle pour le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier. Le verdict vient de tomber. Le fils de Sophie Toscan-Duplantier ne peut retenir son émotion. 22 ans que lui et ses proches attendaient cela. Ian Bailey, le meurtrier de sa mère, a été condamné à 25 années de prison par la cour d'assises de Paris. Après 22 ans d'attente, 22 ans de souffrance, 22 ans de questions. Les juges ont condamné Ian Bailey, qui a tué ma mère. Donc c'est une victoire pour la famille, c'est une victoire pour la vérité. Et le 21 juillet 2019, les autorités françaises émettent un troisième mandat d'arrêt international à l'encontre de Ian Bailey afin qu'il purge sa peine de prison. Le 16 décembre, la police irlandaise arrête Ian Bailey à son domicile. Et quelques heures plus tard, il est relâché. Et le point final, c'est que le 12 octobre 2020, donc il y a quelques mois, la Haute Cour d'Irlande statue et refuse son extradition vers la France en invoquant l'absence de réciprocité en la matière. En gros, ça veut dire, vu que vous ne l'avez pas fait précédemment, on ne le fera pas non plus, si j'ai bien compris. Le Conseil de l'État irlandais, qui est donc la plus haute institution irlandaise, a fait savoir à la Haute Cour de Dublin qu'il n'entendait pas contester cette décision, ce qui signifie que Ian Bailey n'est plus du tout inquiété pour une extradition vers la France. Pour l'heure, Ian Bailey, âgé de 64 ans, vit toujours à Skull avec sa compagne Jules Thomas, dans la même maison qui se situe donc à moins de 5 km de chez Sophie Toscan-Duplantier. Jules Thomas a toujours soutenu son compagnon, elle est toujours restée à ses côtés. Lui continue à clamer son innocence, mais à Skull et dans la région plus globalement, il est assez marginalisé en fait. Les habitants continuent de le croire coupable et on le voit toujours un peu comme ce curieux personnage qui piquait des colères et qui, un soir d'hiver, est monté à Tourmoor pour assassiner une Française. Bon, du coup, maintenant, mon avis sur cette affaire, ça va être très rapide parce qu'il me reste très très peu de place sur ma carte mémoire. Donc, je vais essayer d'être super concise. Alors, mon opinion, si je parle trop vite, c'est normal. Hein. Mon opinion, c'est que j'ai la conviction, pas l'intime conviction, mais je pense que Ian Bailey, en fait, a servi de bouc émissaire dans cette affaire, qu'on s'est focalisé sur lui dès le départ puisque c'était l'étranger, c'était l'anglais parmi les Irlandais. C'est connu que là-bas, en fait, ils ne l'appréciaient pas du fait qu'il était anglais. Donc je pense qu'il a servi de bouc émissaire, que l'instruction, elle a été très très mal menée par les enquêteurs irlandais puisqu'ils se sont focalisés sur lui. Ils n'ont pas vraiment cherché d'autres pistes. En gros, l'idée, c'était, si c'est pas quelqu'un de France qui l'a tué, ça peut pas être quelqu'un de chez nous, un Irlandais, donc c'est forcément l'anglais du coin. Maintenant, oui, effectivement, Ian Bailey a eu plein de comportements assez étonnants, je vais revenir dessus, mais je voudrais déjà rebondir en fait sur le premier point le plus important pour moi. Les scénarios que donnent les reportages à la télé quand ils parlent de la mort de Sophie, en fait, ça tient pas la route parce qu'ils disent qu'elle a été réveillée au milieu de la nuit par un coup à la porte très fort, elle est partie ouvrir à son assassin et c'est là où il l'a attaquée. Cette hypothèse, elle ne tient pas pour plusieurs raisons. Déjà, les enquêteurs disent que toutes les lumières dans la maison étaient éteintes, ce qui n'est pas logique quand on est réveillé au milieu de la nuit par quelqu'un qui tambourine à notre porte. Bon, on allume les lumières, en fait. Bon, ça, à la limite, on pourrait se dire, c'est l'assassin qui a éteint la lumière après. Ok. Elle portait des mocassins et un vêtement d'intérieur. Là, encore une fois, qui se réveille au milieu de la nuit pour aller ouvrir à quelqu'un qui tambourine comme ça, ça fait peur. Qui met des mocassins? Là aussi, ça me paraît un peu étonnant. Mais poursuivons. La bouteille de champagne, les deux verres, les deux fauteuils près du radiateur, moi je pense que ça fait plutôt penser à une visite, elle aurait reçu de la visite le soir, parce qu'on n'est même pas sûr qu'elle est morte entre 2h et 3h. Ça c'est le médecin légiste qui le dit, mais vu que le corps il a séjourné pendant
plusieurs jours au même endroit. Avec du recul, on n'est pas vraiment sûr, donc ça pourrait être en fin de... Ça pourrait être à 23h30, ça pourrait être à minuit, comme ça pourrait être à 5h. On n'est pas sûr. En fait, ça fait plutôt penser à quelqu'un qu'elle avait invité chez elle, avec qui elle passait une agréable soirée. Et je pense que c'est de là qu'une dispute aurait éclaté entre les deux pour un sujet X ou Y, je ne sais pas trop. Ce qui conforte mon opinion, c'est que l'arme du crime utilisée pour lui fracasser le crâne, le médecin légiste, les enquêteurs disent que c'était le tisonnier de Sophie qui n'a jamais été retrouvé. Si c'était le tisonnier, c'est que l'assassin était forcément à l'intérieur, puisque depuis l'extérieur, je ne vois pas trop comment il aurait pu prendre le tisonnier. Les traces de sang commencent à partir de la porte extérieure, ce qui signifie, selon moi, qu'en fait, il a pris le tisonnier, il a commencé à aller dans sa direction pour la frapper, elle a voulu se sauver, elle a ouvert la porte, et quand elle a passé le palier de la porte, c'est là où il lui a frappé l'arrière du crâne, d'où la giclée de sang sur le côté externe de la porte d'entrée. Autre point, je pense que c'était quelqu'un qui la connaissait personnellement, par rapport au fait qu'il l'a massacré, il lui a d'ailleurs massacré une partie du visage. J'ai lu en criminologie que ça signifiait qu'on avait un lien avec la personne, en fait, quand on s'en prenait au visage, c'est qu'il y avait vraiment une colère qui était personnelle, qui était dirigée vers cette personne et qu'on lui voulait énormément de mal, soit par colère, soit par vengeance, enfin quelque chose dans le style. Donc ça, c'est par rapport à la scène de crime. J'essaie de faire le plus vite possible. L'autre point, c'est... Marie Farrell. Marie Farrell, en fait, je pense qu'elle a menti quand elle a dit à la police la seconde fois qu'elle avait aperçu Yann. Je la crois quand elle s'est rétractée en 2005 pour une raison de logique humaine, à savoir que la première fois qu'elle a appelé la police en anonyme, elle a dit qu'elle ne connaissait pas l'homme qui se trouvait sur le pont. Elle l'a décrit comme assez petit et elle a dit qu'elle l'avait vu la veille également devant un magasin à Skull en train d'observer Sophie. Quand on appelle en anonyme, on est... je pense, plus apte à donner beaucoup de détails, à dire tout ce que l'on pense qui est vrai, parce que ça n'engage en rien, il n'y a pas de conséquences vu qu'on appelle en anonyme. La seconde fois qu'elle a été interrogée, c'est là où elle dit avoir reconnu Yann Bellet. Alors, pourquoi c'est impossible? Mais vraiment impossible, parce qu'en fait, Marie Farrell, elle connaissait personnellement Yann Bellet, vu que la fille de sa compagne, Jules, gardait sa propre fille à elle. Ce qui veut dire qu'elle le connaissait, elle voyait très bien qui il était, elle avait déjà parlé avec lui. Ce qui paraît donc assez étonnant que la deuxième fois qu'elle est interrogée par la police, là, elle dit... Ah oui, effectivement, maintenant que j'y repense, je me souviens, c'était Yann Bellet, vu que la première fois, elle a dit qu'elle ne le connaissait pas. Si ça avait été un homme qu'elle avait croisé une ou deux fois dans sa vie, je dis pas, c'est possible. Mais là, c'était quelqu'un qu'elle connaissait personnellement. Donc pour moi, c'est pas possible. Une personne, quand on la connaît personnellement, on la reconnaît en fait. Quand on la voit, son visage, il nous dit quelque chose ou il nous dit rien. Mais en tout cas, on la connaît. Donc voilà pour Marie Farrell. Le souci, c'est que cette femme, comme elle a menti à plusieurs reprises, après, à force, on avait tendance à plus trop croire ce qu'elle racontait. Donc je pense que Marie Farrell a saboté une partie de l'enquête, mais c'est pas la seule. L'autre point, c'est Shirley Foster. Shirley Foster, en fait, elle a déclaré à plusieurs reprises dans des documentaires que le jour de la découverte du corps, elle a croisé Yann Bellet, ils ont parlé ensemble, et elle certifie qu'elle n'a vu aucune blessure sur le visage ou sur les bras de Yann Bellet, alors qu'à côté de ça, elle l'accablait auprès des enquêteurs quand elle disait « c'est un curieux personnage, c'était le premier arrivé sur les crimes ». Ce qui veut dire pour moi qu'elle dit forcément la vérité, puisqu'elle se montre honnête jusqu'au bout. Maintenant, par rapport au fait que Yann Bellet était au courant du meurtre avant d'arriver sur place, alors moi j'ai une théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Comme il y avait 6 personnes qui étaient là au moment de la découverte du corps, les 2 policiers, Shirley, son mari, la femme de ménage et son mari, je me dis que peut-être que comme c'est une petite ville et que les gens ont tendance à s'émouvoir plus rapidement dans les petites villes où il ne se passe pas grand-chose, et ben peut-être en fait que l'une des 6 personnes a appelé quelqu'un en ville à Skull pendant ce temps, genre la femme de ménage ou autre, enfin je sais pas, j'accuse personne, en disant « oh là là, il vient de se passer ça, je suis vraiment dégoûtée, c'est passé ça, c'est dégueulasse, etc. » Peut-être que certaines personnes du coup en ont parlé, ça pourrait être dans un pub, dans un café, et peut-être que Yann Bellet aurait entendu dans les discussions le mot meurtre évoqué et qu'il se serait rendu sur place. Pour moi, c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, si on veut croire à son innocence, on peut se dire que ça a pu se passer comme ça. Le dernier point qui me paraît vraiment très étonnant, c'est qu'à aucun moment la police n'a considéré que l'assassin aurait pu être une femme. Depuis le début, eux étaient persuadés qu'il s'agissait d'un homme, puisqu'elle avait été frappée de façon très violente, qu'elle avait été massacrée. Mais des femmes qui tuent et qui massacrent, ça existe également. Donc on se dit que ça pourrait aussi peut-être être une femme qui devait passer la soirée avec Sophie, et elles se sont disputées pendant la soirée, peut-être pour une histoire de mec ou autre, hein, j'en sais rien, et elle aurait pu ensuite la tuer. Moi, je comprends pas qu'on ait pas pensé qu'il aurait pu s'agir d'une femme, il n'y a pas eu d'agression sexuelle,
Rien ne laissait penser que c'était forcément une soirée entre amoureux. Ça aurait pu, mais il n'y avait pas non plus de preuves formelles. Donc je me dis que ça pourrait être une autre possibilité. Voilà tout pour tout ça. J'avais plein de trucs à dire, mais là, j'ai plus de place. Je crois qu'il me reste 30 secondes. Donc on va la faire rapidos. Si cette affaire vous a intéressé, si elle vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un petit j'aime sous ma vidéo. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est encore mieux.